Une bonne hygiène alimentaire garantit une bonne santé. Des experts de la Société ivoirienne de nutrition sensibilisent sur la question. Des marchandises frauduleuses saisies à Diaké, les véhicules qui les transportaient mis à la disposition de la gendarmerie de la ville pour nécessité d'enquête. Et puis en Ukraine, le référendum de l'Est crée la polémique, un référendum d'ailleurs rejeté par l'Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Malnutrition, obésité, autant d'affections qui troublent la santé des populations. Une bonne hygiène alimentaire pourrait pourtant pallier ces carences et excès. Il est donc important de corriger ces dysfonctionnements en sensibilisant sur la consommation de fruits et de légumes. En clair, amener la population à faire un repas équilibré. Plusieurs experts de la Société ivoirienne de nutrition s'attellent à le faire. Bien manger. Une notion différemment perçue par les Ivoiriens. Si pour certains, elle signifie se nourrir sainement, pour d'autres en revanche, bien manger c'est tout simplement consommer de la nourriture agréable au palais ou encore manger à satiété. Pour moi, bien manger, c'est le fait de manger une alimentation bien équilibrée. C'est-à-dire une alimentation qui commence déjà par une entrée, un milieu et puis un dessert. Pour moi, bien manger, c'est de manger ce que tu vois. Hein. Tu manges ce que tu vois. Je suis rassasié, c'est le problème, c'est que j'ai bien mangé. Pour moi, bien manger, c'est quand je mange et puis je suis rassasié. Pourtant, la mauvaise alimentation est la porte ouverte à beaucoup de maux. Les maladies métaboliques, par exemple, trouvent leur source généralement dans nos assiettes. Il y a la malnutrition par défaut, à savoir tout ce qui est cochon-corps, malnutrition par déficit alimentaire. Mais il y a aussi la malnutrition qui est à la base des obésités et tout cela. Et nous constatons que dans notre pays, la population devient de plus en plus obèse. Inciter donc la population à abandonner ces pratiques alimentaires nuisibles à la santé de l'organisme humain, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Société ivoirienne de nutrition. Elle initie des séances de formation et d'information sur les bonnes pratiques alimentaires. La sensibilisation de la population à travers, je veux dire, la communication, à travers des formations, à travers les médias, donc à travers un certain nombre de choses qui nous permet de prévenir ces maladies-là. La Société ivoirienne de nutrition compte également prendre en charge les personnes victimes de malnutrition. Le poisson est très bon pour la santé, mais certains pêcheurs et vendeuses de poissons vivent dans des conditions difficiles pour faire vivre leur famille. C'est au quartier Biafra, en bordure de la lagune à Trècheville, ressortissant des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour la plupart, ces personnes dorment dans des baraques de moins d'un mètre carré et l'hygiène laisse à désirer dans ces maisons de fortune. On en sait plus avec Pagasoro Kone et son porte-voix. Moins d'un mètre carré pour ces maisons faites de bois et recouvertes d'un plastique noir en guise de protection contre les eaux de pluie. C'est dans ces habitations de fortune que vivent ici au quartier Biafra de Trècheville plus d'une trentaine de familles de pêcheurs et autres commerçants de poissons. Compte tenu du boulot qu'on fait, on ne peut pas se déplacer par là à la maison et puis venir. C'est temps de l'heure aussi. Donc on est obligé de prendre des petites maisons à côté ici et on va travailler au bord de l'eau. Il y a les maisons qui coûtent 4 000, il y a 5 000, il y en a 10 000, il y en a 2 000. Bon, vous, exemple, quand vous voyez la maison de 2000, c'est un peu pitié. Vraiment, ça fait pitié. Voici le petit marché de poissons du quartier Biafra. C'est ici que se côtoient lieu de travail et lieu d'habitation de ces artisans. Une activité de production et commercialisation qu'ils exercent pour meubler et gérer leur quotidien et qui profite également au ménage environnant. Mais il y a un hic, la promiscuité prononcée dans laquelle ils vivent ici en bordure de lagune ne favorise en aucun cas l'avancée de l'activité. On dit faut qu'on quitte ici, c'est ça qui est le problème. Donc si on reste ici, j'espère qu'on peut faire même activité comme pêche pour nourrir nos enfants. Venus pour la majorité des pays voisins, dont le Ghana et le Togo, ces pêcheurs et vendeuses de poissons lancent un véritable cri de cœur aux autorités. Si certaines personnes se battent pour vivre, même si elles doivent souffrir, d'autres par contre ont choisi la facilité en s'adonnant au commerce de marchandises frauduleuses. Mais les éléments de la force d'intervention rapide d'Adiaké viennent de mettre fin à leurs activités en mettant la main sur ces marchandises. Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Des pneus, du sucre, des sacs contenant des chaussures, des vélos, des marchandises saisies à bord de deux véhicules par les éléments des forces d'intervention rapide basées à Adiaké. Ce sont des marchandises en provenance du Ghana que tentaient de faire entrer de manière frauduleuse sur le territoire ivoirien deux convoyeurs. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 8 900 000 francs CFA.
Les marchandises et les véhicules qui les transportaient ont été mis à la disposition de la gendarmerie d'Adieke pour nécessité d'enquête. Une occasion saisie par les responsables de la force d'intervention rapide pour solliciter des moyens adéquats afin de mener à bien leur mission, notamment des motos, un hors-bord et un véhicule, dans une région où les trafiquants multiplient d'ingéniosité pour réaliser leur forfait. Les enfants de la rue, prisonniers et drogués du centre rue Mao dans la commune de Yopougon, ont reçu des vivres et non-vivres du mouvement des femmes de l'action ouvrière du Christ des Assemblées de Dieu d'Angré dans la commune de Cocody. Patricia Aumont pour en parler. Enseignement et commandement biblique pour aider les pauvres, les malades et les marginalisés de la société. Tel est l'engagement du mouvement des femmes de l'église évangélique, des assemblées de Dieu du temple Le Chandelier de Cocody, Angré. L'AOC, l'action ouvrière du Christ, offre aux enfants du centre Rema des dons en vivres et non-vivres. Elles veulent ainsi offrir aux enfants marginalisés du centre Rema l'assurance d'une relation affective et éducative durable. Ils sont quelquefois sans espoir, ces enfants de la rue, ces prisonniers. Vraiment, nous nous sommes sentis interpellés et avec des cœurs de mère, nous avons voulu récolter des dons pour venir aider ces frères et sœurs qui sont là à assister ses bien-aimés et à redoubler d'efforts dans ce travail noble qu'ils font. Pour la responsable du centre chrétien Roma, Isaora Ribeiro, ce don est le signe d'un amour partagé pour une mission commune, la charité. Le centre chrétien de réhabilitation Roma est né en Espagne en 1982. L'association a pour objectif de venir en aide au plus grand nombre possible de personnes en difficulté et marginalisées. Et puis 25 œuvres de l'artiste graveur à bois Kwaku exposées au musée municipal de la commune de Cocody. Ce vernissage a pour promouvoir la gravure, une expression plastique très peu connue en Côte d'Ivoire, dévoilée ici par Ami Sissoko et Laetitia Mangli. L'art se nous faut et l'art du pays à Caen. C'est de là que l'artiste à bois Kwaku tire son inspiration pour la réalisation de ses œuvres d'art. Sa spécialité, la gravure. Une forme d'expression artistique qui se réalise à partir du bois, du métal ou de la pierre. La gravure est de moins en moins visible en Côte d'Ivoire, comparativement à la peinture et à la sculpture. Aboua Kwaku se veut désormais l'ambassadeur de cet art. L'artiste, c'est celui qui parvient à idéaliser, à parler de la nature. L'art ne consiste pas à copier la nature, mais à transfigurer cette nature-là. De telle sorte que ce qu'on a représenté, une signification plurielle, voyez-vous. Donc, en fait, l'artiste est un poète. Divers poissons, chasseurs et animaux, coqs et poules, sont quelques-unes des gravures réalisées par Aboua Kwaku. À travers M. Aboua, nous venons de voir encore un plus dans l'art plastique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un art qui est donné à tout le monde. Et voilà qu'un Ivoirien, à la personne de M. Aboua, a osé défier les grands maîtres de la gravure international. C'est très rare les graveurs qu'on les mette en valeur alors que c'est un des grands arts de l'histoire de l'art plastique. C'est même un art majeur puisque à l'époque du Moyen-Âge, la gravure était devant la peinture en Europe. Et que ce soit un artiste ivoirien qui refasse de la gravure, c'est très intéressant parce que c'était un art qui était un peu oublié alors que c'est un des arts très importants dans l'histoire même de l'art. Aboua Kwaku est à sa troisième sortie, une occasion pour le public de découvrir les 25 gravures en exposition au musée municipal de Cocody jusqu'au 31 mai prochain. Hors de chez nous, au Soudan du Sud, l'ONU et Amnesty International dénoncent les violences dans ce pays. Les agressions physiques et sexuelles commises par les belligérants au Soudan du Sud représentent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le président sud-soudanais et son ancien vice-président ont signé un engagement à cesser les hostilités vendredi dernier et c'était à Addis Abeba en Éthiopie. Malgré la signature vendredi d'un cessez-le-feu à Addis Abeba, les combats se poursuivent au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Les forces favorables à Riek Machar auraient lancé dimanche soir une nouvelle offensive contre l'armée dans l'état pétrolier du Haut-Nil. Le gouvernement accuse l'ancien vice-président Riek Machar de ne pas contrôler ses forces. Selon la FAO, le pays est sur le point de basculer dans la pire famine qu'ait connue l'Afrique depuis des décennies.
Waram a diffusé hier une nouvelle vidéo dans laquelle on voit des jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées mi-avril dans le nord-est du pays. Le chef du mouvement Aboubakar Chouekaou réclame la libération de prisonniers en échange de celle des jeunes filles, une condition qu'Abuja a immédiatement rejetée. Le ministre de l'Intérieur nigérian a déclaré qu'il n'est pas question d'échanger une personne contre une autre. Et puis sachez que Ehud Olmert est condamné à 6 ans de prison ferme. L'ancien premier ministre israélien va devoir payer aussi 210 000 euros d'amende, c'est-à-dire plus de 100 millions de francs en CFA. Il a été reconnu coupable de corruption dans un scandale immobilier. Il aurait reçu plus de 100 000 euros, c'est-à-dire 50 millions de francs CFA, pour avoir facilité la construction d'Oliland, un complexe immobilier à Jérusalem, lorsqu'il était maire de la ville entre 1993 et 2003. Et c'est la première fois qu'un chef de gouvernement est condamné à la prison ferme en Israël. En Inde, le parti du peuple indien, principal parti d'opposition, aurait remporté la majorité des sièges parlementaires à l'issue du long processus électoral des législatives qui s'est achevé hier. Plus de 5 semaines de marathon électoral, une participation record de 551 millions d'électeurs. Les législatives se sont achevées ce lundi en Inde par un duel spectaculaire à Benares. Face à Arvind Kejriwal, le nouveau chantre de la lutte anticorruption, se présentait Narendra Modi, le candidat de la droite nationaliste hindoue qui espère conquérir le pouvoir au niveau national. Son parti est donné gagnant avec une nette avance selon les sondages sortis des urnes. S'il arrive à détrôner le parti du Congrès, Modi est donné favori pour devenir le prochain Premier ministre indien. Résultat officiel vendredi. Et puis de nouvelles négociations sur le sort de l'Ukraine menacée de partition après un référendum séparatiste dans l'Est, un référendum rejeté par l'Ouest. Le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, est arrivé d'ailleurs aujourd'hui même à Kiev pour soutenir le dialogue national impliquant les régions séparatistes de l'Est. La Russie, elle, accuse Kiev de refuser un dialogue réel avec les séparatistes. Et pour finir, Mondial 2014, le Brésil, loin d'être prêt à un mois de l'événement. Si les supporters et les joueurs sont quasiment prêts, ce n'est pas le cas sur place où des stades ne sont toujours pas terminés. Et la tension toujours latente entre menaces sécuritaires et contestations sociales, ce qui provoque l'inquiétude des fonds de la FIFA qui ne manque plus une occasion de mettre la pression sur les autorités brésiliennes. Plus qu'un mois, le décompte officiel installé sur la plage mythique de Copacabana avance inexorablement. Et cette trentaine de jours suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Le Brésil sera-t-il prêt à temps? La question posée de longue date n'a toujours pas trouvé de réponse rassurante aux yeux de nombreux observateurs. Aéroports, routes, hôtels, les infrastructures peinent encore à être finalisées malgré 7 ans de travaux. Le transport entre les villes s'annonce très difficile. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en bus ou en avion. Il n'y a pas un système de train qui relie les villes brésiliennes. La Coupe du Monde n'a pas permis d'améliorer ces infrastructures pendant ces dernières années. 600 000 touristes sont attendus pour cette 20e Coupe du Monde. Pour les accueillir, les organisateurs affirment que tout sera prêt en temps et en heure. Nous sommes concentrés à 100% sur le service aux équipes et aux fans quand ils se déplaceront, que ce soit en avion ou sur route, entre les camps des équipes et les terrains d'entraînement. C'est désormais notre mission. Les travaux, quant à eux, sont toujours en cours dans un tiers des stades. Des efforts gigantesques sont mis en œuvre pour finaliser ce qui sera la vitrine de ce mondial. Une cause nationale dont les habitants des favelas se sentent exclus. Dans le domaine de l'accès à la santé et aux équipements sanitaires, les préparatifs de la Coupe du Monde n'ont souvent rien fait avancer. La Coupe du Monde a été faite sans le peuple, avec l'argent public, mais sans aucun bénéfice social pour les Brésiliens. Et ce qui illustre le plus ce fait choquant, c'est l'état du système de santé ici dans les communautés les plus pauvres du pays. Dans un pays frappé par les inégalités, les 11 milliards de dollars d'impôts supplémentaires passent mal. La proportion de Brésiliens soutenant le mondial est passée de 79% en 2008 à 48% en avril. Un comble dans un pays où le foot est une deuxième religion et où tout le monde espère que la sélection brésilienne décrochera sa 6e étoile.
Et c'est aujourd'hui que le sélectionneur ivoirien Sabri Lamouchi va dévoiler sa première liste de 30 joueurs, et ce lors d'une conférence de presse. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.